Alors, pour le massage, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je mets tout de suite à chauffer et je vous explique. Si vous avez du beurre de karité, faites comme moi. Un chauffe brûle-parfum d'ambiance. Hop. Donc, je retire mes antisèches. Je vais utiliser du beurre de karité. Lorsque le beurre de karité, vous l'avez à l'institut, il est figé à l'intérieur. Il est dur. Le beurre de karité, soit on peut l'utiliser comme ça, mais on gaspille pas mal de produits. Ou sinon, comme moi, on va le chauffer. Et une fois chauffé, il va se liquéfier. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile. Il n'y a pas de problème. Pour un massage, un lait-corps, ça va être un petit peu juste. À bout d'un moment, on n'aura plus le côté glissant. Si vous avez que ça, prenez. Mais il va falloir remettre du produit régulièrement. Si vous voulez faire un massage d'un bout à l'autre sans réutiliser de matière, on privilégiera l'huile ou le beurre de karité, les textures un petit peu plus généreuses. Est-ce qu'il y avait autre chose? On va travailler donc avec nos mains. Et puis, j'espère que la vidéo ne va pas être censurée. Donc, moi, je vais hacher mes zones que je travaille de manière à ne pas montrer toute la totalité du dos. Mais vous, à la maison, vous découvrez tout. Donc, je vous fais attendre une petite seconde, le temps que monsieur s'installe, mon modèle. Je vous raconte pas, hein. J'ai vraiment mis tout le monde à contribution aujourd'hui. Ce matin, je me suis entraînée sur mon fils. Donc, tout le monde y est passé, hein. Vas-y, tu peux t'entraîner. Hop là. Alors, je cache un petit peu au-dessus, comme ça, on voit moins. Vous inquiétez pas, il peut respirer. En dessous, il a un trou, je vous jure. Je ne dégage un petit peu. Voilà. Oh, c'est dommage, j'ai pas pensé à mettre une petite musique douce. Si vous avez ça, n'hésitez surtout pas à mettre une petite musique. Alors, à la mangue, c'est très très bien, Jel. Je suis désolée, Karine. Peut-être que vous avez un problème de connexion si ça coupe un petit peu. Super. Voilà. J'ai attendu un petit peu avant de le mettre. Donc, dans un premier temps, je vais étaler mon beurre sur tout l'ensemble du dos. Je prends ma petite antisèche pour être sûre de ne rien oublier, pour avoir vraiment une suite logique. Et puis, je vous remettrai en fin, ou à part si Christina, tu peux réussir à faire un copier-coller du texte, et puis dans ce cas-là, le mettre en commentaire. Sinon, moi, je vous le referai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc, pour le massage, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que nous n'allons pas travailler avec toute la main. Nous allons travailler essentiellement avec ce que l'on appelle, nous, les éminences thénard et hypothénard. Donc, ça va vraiment être le talon de votre paume de main qui, elle, va travailler énormément. Donc oui, toute ma main accompagne le mouvement, toute ma main va suivre la peau, mais ma pression va essentiellement se faire au niveau du talon. Beaucoup moins jolie, je pourrais travailler comme ça. Pour que ça soit plus agréable, je vais travailler sur toute ma main. Mais retenez ça, puisque tout à l'heure, je vous ferai bien faire attention de travailler non pas avec les pointes, mais vraiment avec toutes les éminences. Pareil, quand on fera les pétrissages, oui, je vais faire un petit pincement avec l'avant, mais je ne vais pas faire un pincement avec le pouce. Je vais faire un pincement avec le talon de ma paume de main. D'accord? Pas de questions? N'hésitez pas à me faire un petit pouce ou un petit cœur pour me dire que tout va bien. Comme ça, je le verrai sur la vidéo. Donc, mon beurre de karité, en dessous, il va se liquéfier. Et donc, c'est ça qui va m'intéresser pour pouvoir masser. J'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus tôt à chauffer, mais j'en reprendrai un petit peu après.
Super, impeccable. Tout va bien. Je vois plein de petits cœurs, des petits pouces, des petits smileys. Génial. Allez, je suis partie. Alors, mes doigts de chaque côté, mes mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Je vais descendre. Donc, je pars bien du haut de ma nuque. Mes talons de main sont bien posés à plat. Pression en descendant tout doucement. Une fois que je suis arrivée au bas des reins, je vais sentir un creux. Ça va être ma limite. Cette limite-là, je vais basculer et je remonte plus délicatement, une pression beaucoup plus légère sur les côtés. Chaque manœuvre, je vais vous la faire trois fois. Enfin, quatre en tout, une fois pour l'expliquer et trois fois pour la réaliser. Alors, la tête, je suis honnête, j'irai peut-être un petit peu plus vite sur certaines, mais de manière à ce que vous l'assimiliez bien. Les talons des mains pressent, je glisse en descendant tout doucement avec une pression assez soutenue. J'étire vers l'extérieur et je remonte plus légère. Une dernière fois. Pression. Je descends le long de la colonne vertébrale. Je chasse sur les côtés et je remonte sur les extérieurs. Je vais faire ce qu'on appelle, nous, les C de Chanel. C'est-à-dire que je vais faire un C et le deuxième à l'envers. Sauf que je vais les faire ensemble. Simultané. Pression, pression, je descends, je relâche. Et deuxième pression en remontant exactement dans le même sens. Je relâche. Et je fais comme ça mes deux C. Pression. Pression. Alors, je vais maintenant travailler sur un côté de ma colonne vertébrale, sur un côté de mon dos. Je cache un peu pour éviter si j'ai une censure. Pour travailler sur mon côté, je vais travailler avec des lissages alternatifs au niveau de mes pouces. Ma colonne vertébrale, je vais travailler que sur un seul des côtés. Un pouce puis l'autre, un pouce chasse l'autre. Et je lisse tout doucement le long de ma colonne. Je descends. Ma main accompagne mon mouvement. Toute ma main va accompagner également. Arrivé au bout, je fais des grands cercles. Soit je choisis de le faire que d'une seule main. Ou sinon, je vais vous montrer l'alternative. Donc pareil, je redescends. Lissage le long de la colonne vertébrale. Pour celles qui n'ont pas de problème de symétrie, une main qui tourne et la deuxième qui rejoint. Là, ça se complique un petit peu. Donc, si vous peinez à faire cette manœuvre, vous pouvez très bien la faire que d'une seule main. Je tourne et je remonte. Dernière fois, je chasse pour descendre. Et une fois que je suis en bas, je remonte. Soit que d'une main, ou soit de mes deux mains en alternatif. Je vais vous montrer une fois de l'autre côté, vous bien sûr. On le refera également trois fois de l'autre côté. Lissage. Donc, on est d'accord, hein? C'est mes pouces qui travaillent et mes mains l'accompagnent. Et je remonte. Si j'y arrive, je remonte avec mes deux mains. Si je peine, que ma main extérieure qui remonte. Je vais faire cette même manœuvre trois fois de ce côté-ci.
Une fois que j'ai fait ça, je vais imaginer des lignes le long de mon dos. Je sépare toujours mon dos en deux zones et je vais utiliser deux à trois lignes selon la taille de mon dos. Tout simplement, lissage de pression. Je pense à bien presser avec mon talon. Et une fois que je suis en bas, je relâche, je remonte et c'est l'autre main qui va refaire la même ligne. Chaque ligne, je vais la presser par chaque main. Donc, deuxième ligne, je me décale. Troisième ligne, je descends, pression, je lâche, pression, je lâche au milieu. Première ligne, pression, je lâche. Là, n'ayez surtout pas peur de la pression. Pensez à demander à la personne que vous massez si la pression lui convient. Mais n'ayez surtout pas peur d'utiliser le poids du corps. Mon corps va en même temps de manière à vraiment peser encore plus. Et je recommence. Pression sur une ligne, deux lignes. Trois lignes. Même chose de l'autre côté. Je divise en trois zones. Pression glissée. Et ma dernière zone. J'ai fait des pressions donc verticales qui descendent. Maintenant, je vais les faire en forme de sapin. J'imagine la cime de mon sapin qui est en haut de ma nuque. Et donc, mon sapin va avoir trois branches. Une, deux et trois. Ces mêmes pressions, je vais les faire, mais par contre, ce coup-ci avec mes deux mains. Donc, ce qu'on appelle en simultané. Toujours mes talons qui sont appuyés. Je presse en redescendant. Je relâche en montant. Trois zones. Et je recommence. Une branche de sapin. Deuxième branche. Et ma troisième branche qui est tout en bas. Je refais une dernière fois la manœuvre. J'espère que vous appréciez bien ce petit massage. Si jamais il y a Chéri Chéri qui vous le fait ou si vous lui faites, vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure. J'espère que vous êtes un bon moment de détente. Une fois que je vais avoir fait ça, ça va tout simplement un petit massage, donc je recouvre pour cacher, qui va être plus situé au niveau de la nuque. Donc n'hésitez pas à demander à la personne de soulever un petit peu son menton si jamais elle n'a pas la tête bien droite, si elle a la tête sur le côté. Je vais travailler avec mes talons, mes éminences, et elles, je vais les poser vraiment dans le creux. Et je vais faire des cercles pour pouvoir détendre. Donc assez profond quand même. Et donc ça va être nous ce qu'on va appeler un pétrissage. Tout à l'heure je vais vous en montrer un deuxième, mais là celui-ci déjà c'est un premier. Pression circulaire le long de la nuque. On peut bien faire une bonne dizaine de petits cercles, hein. On n'hésite pas. Ça va être vraiment tout mon bras qui va faire la pression. Je ne vais pas presser du bout des doigts, ça va vraiment être mon bras qui pousse et qui fait une pression. Quand j'ai bien travaillé cette zone-là, je vais pouvoir travailler un côté seulement. Hop, je vais cacher dans ce sens-là. Donc on est d'accord, hein, vous ne cherchez pas à tout cacher. Moi, je me méfie de Facebook, donc c'est pour ça. Je vais travailler en pétrissage. Pétrissage, c'est ni plus ni moins quand vous faites de la cuisine. Je pétris ma pâte. Et bien là, je vais poser. Donc pétrissage. Et je vais travailler vraiment un petit peu toutes les zones du contour. Donc le côté du flanc, le bas du dos. Et je vais monter comme ça jusqu'aux épaules. Pétrissage.
Et donc c'est là. On est habitué à faire des chéri-chéri comme ça. Mais finalement, ça pince et c'est pas du tout agréable. Donc c'est là où il faut que j'utilise mon talon. Et donc que je fasse vraiment des pétrissages plus épais, plus généreux, plus enveloppants. Je ne vais pas travailler du bout des doigts. Je vais vraiment travailler de tout l'ensemble. Et si vous regardez, ma main, elle pousse de manière à vraiment prendre le muscle ici que je vais avoir vraiment dans toute sa totalité pour être beaucoup plus sur la détente. Vous allez du coup continuer pareil de l'autre côté. Pétrissage sur l'autre épaule et pétrissage sur l'autre flanc. Ce pétrissage-là, vous avez aussi possibilité de le faire, nous on appelle ça en grand bracelet. Je reviens sur ma première zone, je recache. Tout à l'heure, j'ai travaillé comme ça, en pétrissage. Eh bien, vous pouvez faire la même chose, mais en beaucoup plus large. Ça ne sera pas mon éminence ténar-hypoténar, ça sera uniquement mon hypoténar qui va travailler, donc c'est-à-dire le tranchant de ma main. Et donc là, je ramène vers le milieu. Et donc, vous pouvez travailler aussi dans ce sens-là. Donc, vertical ou horizontal. C'est vous qui voyez, mais c'est deux méthodes qui peuvent être faites ensemble et qui sont aussi très agréables. Pareil, je vais pouvoir faire le deuxième côté. Là, sur le massage allongé, je vais vous montrer également une variante sur le massage assis. Sur le massage allongé, je vais terminer par une dernière manœuvre qui va être des grands 8. Alors, les grands 8, du coup, j'ai besoin de tout mon dos. Je recache mon chéri. Et donc, je vais diviser mon corps en 4 zones. Une zone, deux zones, trois zones, quatre zones. Et je vais imaginer des grands 8. Mes deux mains, soit face à face, soit l'une à côté de l'autre. Ça dépend de vous, la dextérité que vous avez. Et je vais faire des grands 8. On se souvient, je fais toujours une pression grâce à mon talon de main. C'est lui qui presse, c'est pas le bout de mes doigts. Et donc, je vais envelopper de manière à vraiment être détente et relaxation. J'enveloppe et je tourne. Je fais 5-6 sur chaque zone. Et je change. Donc là, on n'est plus sur un côté enveloppement, détente, cocooning. Le pétrissage, lui, on sera plus sur de la détente musculaire un petit peu plus profonde. Cette manœuvre-là, elle est bien en finale, puisqu'on a vraiment un côté un petit peu plus légèreté. Et donc, même chose sur le bas des reins. Si la gourmandise vous dit encore, vous pouvez très bien reprendre ma première manœuvre que j'ai faite au début, c'est-à-dire je glisse. C'est bon. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un mini bug. Là, ça venait de notre connexion à nous, mais normalement, ça a dû repartir. N'hésitez pas à me faire des petits pouces ou des petites choses pour me montrer si tout est reparti. Voilà, n'hésitez surtout pas à me faire des petits pouces et un petit décalage. Ils ne vont pas tarder à arriver, je pense, pour me dire donc si tout va bien. C'est bon. Super, génial. Donc, du coup, je vais avoir massé tout l'arrière du dos quand la personne est allongée. Je vais vous montrer une variante avec quelques petites manœuvres lorsque la personne est assise. Alors... Vas-y. Impeccable. Super. J'en profite, je fais juste deux petits apartés. La première, regardez mon beurre de karité. Donc là, ça fait 4-5 minutes qu'il était en train de chauffer. Et donc là, on a vraiment un beurre de karité qui est beaucoup plus souple, plus liquide. Et lui, je vais pouvoir le masser du coup sans aucun problème. Il est un petit peu chaud. Et donc, il reste très agréable pour la personne.
La deuxième aparté que je vais vous faire, c'est que par rapport à la réouverture, ne soyez, enfin, on va vous proposer de redécouvrir nos soins du corps de 30 minutes, 45 minutes, voire plus si jamais vous en avez envie, mais de manière à pouvoir justement reprendre soin de vous. On a vu avec les filles, on va reproposer donc certains soins corps et on va proposer également un soin visage qu'on a créé exprès par rapport à la situation, puisque on sait que l'irritation du masque sur le visage est quand même assez embêtante sur cette zone-là. Et puis de nos jours, maintenant que le visage va être caché en grosse partie, ça va être le regard qui va être très important. Donc on a créé un combiné d'un soin visage qui va jouer sur l'hydratation, le confort, excusez-moi, mais également très très lumière, anti-rides et anti-cernes au niveau des yeux. Donc ça, vous le verrez, on va le mettre en place là à partir du début de semaine. Et donc c'est un soin que vous pouvez refaire sans aucun problème à la réouverture de l'institut. On vous en dira plus. Alors, pour les personnes qui veulent du coup masser comme ça, assises, il n'y a aucun problème. Vous vous posez bien derrière et vous pouvez tout à fait aussi faire un massage. Dans ces cas-là, on va travailler d'abord dans un premier temps tout le haut des épaules avec un pétrissage. Vous vous souvenez comme je vous ai dit, pétrissage avec le talon de ma main. Mon éminent sténar hypoténar alternatif, je presse en poussant. Donc si vous regardez bien, c'est vraiment toute cette zone-là, mon pouce va accompagner, c'est vrai, mais c'est vraiment toute cette zone-là qui va pousser pour pouvoir pétrir. Je vais travailler d'un côté et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir monter plus haut au niveau de ma nuque. Pareil, plus haut au niveau de ma nuque. Faire pareil de l'autre côté. Je vais aussi pouvoir, si jamais je le désire, travailler mon pétrissage sur ma bosse de bison, qui est donc ici. Je vais pouvoir la travailler avec des petits mouvements circulaires de mes pouces. Donc des petites rotations, ni plus ni moins. D'un côté, de l'autre, voire un petit peu plus bas. Et voilà. Ces pétrissages, comme tout à l'heure, je vais aussi pouvoir les faire sur le côté. Je vais pouvoir donc du coup masser un côté. Je descends, je monte. Et je vais pouvoir masser le deuxième côté. Pétrissage des flancs, donc dans ce sens-là ou dans celui-ci. C'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Alors, je vais retrouver certaines manœuvres que j'ai faites tout à l'heure, et entre autres, mon lissage par zone. Vous vous souvenez, mes 6 bandes. Eh bien, je vais les refaire, mais dans l'autre sens. Je descends avec une pression. Une main chasse l'autre. Et je descends pour pouvoir masser. Est-ce que c'est agréable, monsieur mon mari? Il n'ose pas parler. Je crois que oui. Il est en train de regarder vos petits commentaires sur l'écran. Ah oui, on voit en direct. Donc, lissage assez appuyé avec une belle pression pour pouvoir descendre avec le paume de la main. Je remonte sans contact. On va avoir également ce qu'on appelle les hachures. Alors, je vais demander à Flora qu'elle change de côté, puisque moi, étant droitière, pour moi, c'est plus facile d'être à la droite de la personne que je masse. Les hachures, comment ça se passe? Alors, on ne fait pas le je tape directement. Des hachures, les doigts sont légèrement soulevés, et donc ça va être mes doigts qui vont se taper les uns sur les autres. Donc, au ralenti, ça fait ça. D'accord? Donc, le petit bruit. Et c'est ce que je vais faire vraiment sur le côté. Sans être trop fort, là on va avoir un côté décontractant musculaire plus en profondeur. Je ne travaille surtout pas sur ma colonne vertébrale. Je vais travailler sur le flanc, sur les épaules, en remontant légèrement dans le cou, pas au milieu.
Même chose de l'autre côté. Et je vous ai dit que j'étais droitière, donc je reste toujours sur ma droite. Et alors, une manœuvre que mon fils aime beaucoup, ça va être les claques. Je vais continuer à faire un réveil avec des tapes dans le dos. Ma main ne bouge pas et ça va être celle-ci qui va faire des allers-retours. Alors, ça surprend, mais par contre, c'est vrai que c'est très détente et très relaxant. Pareil, j'évite ma colonne vertébrale. Profitez-en, c'est l'occasion de vous développer vos moitiés. Hein. Faites-vous plaisir. Et bon, comme j'ai été méchante, je vais quand même finir avec mon sapin de tout à l'heure. Donc, je divise en trois zones. Une, deux, trois. Mais là, je vais profiter de sa résistance. Sans que la personne ne s'en rende compte, elle va résister. Je pousse et je relâche. Je pousse et je relâche. Et ça, pareil, je vais le faire trois fois. Alors, je regarde si vous avez des petits messages ou quelque chose. Non, on va pas lui épiler le dos. Oh. Allez. Alors, j'espère que ce petit massage vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Moi, j'en ai bien profité encore. Merci beaucoup. Si jamais vous aimez ces moments, ce qui serait vraiment très, très gentil de votre part, c'est de publier des avis. Vous avez possibilité de mettre des avis sur Facebook, mais aussi, ceux qui sont très importants, ça va être sur Google et sur les pages jaunes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques minutes, à mettre un avis sur les pages jaunes, sur Google Business et donc sur également Facebook. Ça sera vraiment un vrai plaisir de pouvoir vous lire. Donc ça, si vous le faites, vous êtes des amours. Quoi vous dire d'autre? Je vous tiens au courant par mail de la réouverture de l'organisation vis-à-vis des tâches, des ouvertures sanitaires. Je jette les coups d'œil en bas, parce que vous voyez, il y a même le chat qui vient nous rejoindre. Donc, bonjour petit canaille. Voilà, il a compris qu'il y avait du monde, donc il vient nous faire un petit coucou. Donc, je vous tiens au courant concernant la réouverture. Toutes celles qui avaient des rendez-vous, je vous rappelle pour pouvoir reconvenir d'un rendez-vous. Dès que j'en sais un peu plus, donc j'espère en début de semaine, on sera vraiment fixé jeudi soir avec la carte. Et puis, le ministère de la Santé et du Travail ont juré que pour jeudi soir, ils nous envoyaient les fiches sanitaires de chaque métier. Notre profession étant une vraie profession de contact, de toucher, on sait qu'on va être dans les dernières à avoir les fiches. Donc, il faut qu'on soit patient. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez passé encore un agréable moment. Moi, pour moi, ça a été le cas. Et puis, samedi prochain, soins des mains. Donc, soins des mains, on a fait les ongles la dernière fois. Là, ça va vraiment être comment faire un gommage des mains, s'auto-masser les mains et faire un masque sur les mains pour pouvoir les embellir. Tout ce que je vous montrerai sur les miens, les mains, vous pourrez également le faire sur les pieds. Donc voilà, eh bien je vous dis merci beaucoup. Un petit commentaire si vous avez envie, avec plaisir. Si vous avez quelques minutes, un avis, ça vraiment très très sympa. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en fin de discussion. Christina ou moi allons y répondre, on va prendre le temps. Et puis à bientôt. Je vous embrasse, merci beaucoup.